Dans une vidéo que nous avons récupérée sur les réseaux sociaux, une femme visiblement choquée explique les divisions au sein de la société congolaise, souvent instrumentalisées par les hommes politiques véreux. Les déclarations que vous venez d'écouter sont tout simplement choquantes et révélatrices des divisions qui minent la société congolaise. Un procédé qui a été mis en place par le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, divisé pour mieux régner. L'unique responsable du tribalisme institutionnel en République du Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs a des origines béninoises, puisque le peuple Moshi, d'un point de vue historique, vient du royaume Moshi, qui se situe à nos jours entre le Bénin et le Nigeria. Nous vous mettrons les liens dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Comment peut-on comprendre cette faillite du vivre ensemble dans un pays qui a pourtant été un exemple dans la sous-région? Tuer pour vouloir diriger à tous les prix. Voilà le résultat médiocre de près de 40 ans de pouvoir d'un homme vieillissant en fin de règne. D'ailleurs, nous voulons attirer votre attention sur l'affaire Leonidas Mutom. Cet ancien ministre et député de Ouesso 2 a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais fief ya UPDS, ezali awa na la songa te. Fief ya PCAP, ezali awa na la songa te. Fief ya PRL, ezali awa na la songa te. Awa na la songa, ba 9 circonscriptions. Et Zali va député à PCT, mais il faut pas les cas. Est-ce que tu yokani? Est-ce que tu yokani? Est-ce que ma coquille va dire mon bon abîme que le combat député dans Tolisi? Est-ce que ma coquille va dire mon bon abîme que le député dans Mouyondi? Alors donc, la sangha, mon désalim m'a belé à Kosakana. La sangha, Zali m'a belé à Yakosala, ma cambo à Kili Kili. Il faut qu'on pèse à ma bonne réponse le 10 juillet. Le 10 juillet, il faut qu'on explique Bango, que Oyo, et communique à Mabele, Olinga Mutu, Olinga Ete, et communique à Mabele. Sous le régime moribond du dictateur Denis Sassou Nguesso,
le tribalisme est devenu un acte banal, je dirais plutôt institutionnalisé, par un groupement d'hommes et de femmes qui mettent en avant le repli identitaire, occasionnant à la même occasion la mort certaine d'une communauté de destin. La récente affaire de l'ancien député de l'Ekana, Ghislain Dalibali, témoigne de la haine que nourrit le peuple Moshi, les Moshi contre l'ethnie Teke. Une pensée pour Marcel Nsourou et Okombi Salissa. Ils se sont battus corps et âme pour un homme qui a fini par leur trahir. Nous nous souvenons encore du procès lapidaire du sous-officier en dessous dans l'affaire de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est un mal pour un bien pour l'unité nationale de la République du Congo. Merci pour votre temps. Merci de partager ce cours décryptage. Ce n'est que dans ce sens, nous ferons entendre raison aux ennemis de la République du Congo. Au revoir.